Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo. On est toujours à 3 avec Chobiti et Brouda. Salut vous deux! Salut, salut! Salut! Et normalement, notre son devrait être un petit peu plus correct, parce que sur ma partie notamment, ma voix était un petit peu basse, donc j'espère que ce sera mieux. On est dans notre petite salle d'attente et on va tout de suite commencer. C'est parti! Alors, là, notre téléphone portable laissé derrière nous qui se déchargeait. Et qu'est-ce qu'on faisait déjà? Alors, on avait nos petits lits là. On aurait de quoi faire un troisième lit superposé. Tout le monde a des lits. Je crois qu'on était pas trop mal niveau exploration. Ah non, absolument pas. Il nous reste plein de trucs à explorer, mais a priori, on a récupéré tous les dragoirs qu'il fallait. Hein. Moi j'ai des graines, je sais pas s'il y a besoin de planter ou pas. Alors on a une baignoire qui est reliée à rien, du coup je vais la relier. On devait avoir lancé la construction. Hop. Pepling il est pas content. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui va pas Pepling? Ah bah on avait une dèche de nourriture, il devait avoir faim. Mais là normalement c'est ouais. Bon, on était revenu avec un peu de quoi gérer. Ouais, c'est ça, ils ont super faim. Bah, on a aucune réserve de nourriture, quoi. D'ailleurs. Ouais, mais là, on a planté. Ouais, on a ça planté devrait. Plein de graines, donc ça devrait aller. Regarde, il y a deux flèches au niveau de la nourriture. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement en repartir. Il y a des camions qu'on n'avait pas reliés, je sais pas pourquoi. La caisse d'épargne de Nook et des graines là-bas en plus. Ouais, on avait dû revenir en urgence parce que c'était la merde, je pense. Oui, c'était un peu ça, ouais. Je vais me refaire des égides d'éther au cas où, moi. On avait quoi comme bonus du coup? On a le bûcheron, chance d'esquiver les égards, chance de trouver des objets, ennemis touchés s'enfuit. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Il faudrait quelqu'un pour me soigner, s'il vous plaît, les dragons là. Arrêtez de glander sur les clôtures. Voilà. Ah, on peut faire des clôtures hautes. Ouais, maintenant normalement. Mais je pense qu'avant de les faire grandir plus pour gagner de l'XP, il va falloir qu'on sécurise vraiment la bouffe, quoi. Parce que là, c'était quand même un peu le drame. Hein. Mmh. Ouais, et puis les clôtures, on mettra les hautes quand ils en auront cassé certaines. Pour l'instant, normalement, on est quoi? On est niveau 2. Ah, 4 quand même. Bon, on a des attaques de niveau 4, mais ça va. Je propose un petit départ avant que le prochain truc arrive. Ouais. J'irais bien chercher ce camion. Je sais pas pourquoi on l'avait pas relié, mais... A priori, y a rien qui nous en empêche, quoi. T'as placé un... J'ai placé un... Ouais, normalement. Un marqueur. Il est loin. Hein. Bon, bah c'est parti. Ah ben. Hop là. Après, comme on est plusieurs, on peut aussi faire comme on avait déjà fait. Hein. C'est-à-dire que... moi, je peux m'occuper déjà de relier les trucs et puis... vous pouvez aller explorer ou chercher les choses. Hein. Ouais, je l'avais pas relié parce qu'il était peut-être super loin, mais l'un dans l'autre, il nous faut des ressources, quoi. Mmh. Ici, c'est trop loin. Pff, la tristesse, il va falloir descendre, quoi. Arrête dans 10 minutes. Ouais, c'était le risque. Bon, après, 10 minutes, c'est long, hein, on a le temps de faire un peu d'exploration. Ouais, ouais, 10 minutes, c'est très long. Hein. Alors, qu'est-ce qui faisait de beau ce truc? Ah, c'est du tissu en plus. Ce sera dommage de ne pas en profiter. Attention, il y a une embuscade normalement au milieu du truc. Hein. Et il y a un succès qui consiste à éliminer tous les monstres de l'embuscade uniquement avec une batte de baseball quand t'es sur le terrain de baseball comme ci. Ah bah pourquoi pas. C'est vrai que l'un dans l'autre ça peut se faire. Hein.
Bon, bah du coup ça coûte un peu cher. What? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Ah, vous l'avez déclenché l'embuscade, j'avais pas vu. Ça pique toujours un peu ça. Ok, voilà, on a du tissu, ça c'est fait. Et après j'ai vu que pareil, il y avait un camion là, en plein milieu de tous les autres camions qu'on n'a pas reliés. Je pense que ça doit être un camion dans une maison, un truc du genre. T'es là, Chobiti? Ouais, juste, j'ai le son super fort du jeu, mais pas suite Discord, donc... Ah oui. Ouais, ouais, n'hésite pas à aller dans les paramètres, le son est fort, ouais. Hop là. Ouais, c'est ça, c'est celui qui était là-dedans. Hop. Merde, c'est absolument pas ce que je voulais faire, j'avais ce truc. Alors, du coup... Hop. Du coup, vous êtes parti. Que je vous rejoins. Ouais, bah je vais juste aller mettre le point de passage. Hein. Rien de... Rien de taré non plus. Hein. Ah, j'ai pris par le bon endroit. T'as pris une égide pour traverser? Non, il a le camion qui est là où je suis en fait. J'ai pas de flèche. Drame. Faut que tu viennes sur la petite île où je suis, Shubiti. J'arrive, je vois. T'as la suite. Moi aussi. Normalement, y'a pas besoin d'égide, hein. y a tout ce qu'il faut avec les. Oui, mais justement, j'ai pas pris le bon camion, du coup, j'étais perdu. Ah, ok. Ah putain, ça fait mal leur truc. Ah non, merde. Je me suis quand même fait toucher. Attends, je te raise en speed. Et il est où le dernier? Merci. Il y en avait un dernier. Ah, il est de l'autre côté là. Ah putain, ils sont relous à courir. Est-ce qu'il est parti? Et en plus ils te poursuivent. Mais où est-ce qu'il est ce con? Il est là. Ah ça touche en l'air ce truc. Bon, ça suffit peut-être, oui. Ouais merci toi. Bon sang. Bon sang de bois, comme dirait l'autre. Ok. Ça c'est fait. Alors... On a tout plié ici. J'arrive pas à voir où est le marqueur de zone, il est juste en dessous de nous. On a un camion de livraison, il restait quelques baies. Après, la suite ce serait là-bas éventuellement. Il y avait le camion qui était à l'intérieur qu'on n'avait pas pu fixer, là je l'ai relié du coup. Ça fera un petit peu de pierre. Vous êtes chaud pour qu'on aille explorer la zone en face? Ouais, j'arrive. C'est tout. Au bord de la mer. Elle fait pas rêver cette mer. Hein. Non, pas trop. Ouais, c'est un grand mot quoi. Je préfère les cocotiers. C'est la panique que t'as autour de ta boule de bière là? Ouais. D'accord. Avec les abeilles. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Hop. J'avais un bug, je voyais Chobiti voler. Oh ouais, moi je veux voler. Ça va être juste, je vais devoir en activer un autre. Attention. Maintenant.
Hop là, il y a l'autre qui nous poursuivait là. Ah, le cristal qui est tombé dans les caillasses. Tristesse. Et bien c'est parti. On le connaissait du coup cette zone? Ah mais putain, mais j'ai pas couru vers le bon endroit. Mais... GG. Oui, mon marqueur, je suis foutu. Y'avait pas un truc ici qu'il fallait qu'on déclenche? Bah y'a un... Ah, on a peut-être pas fait l'embuscade du haut? Ah oui, ouais. Il reste plein de trucs à ramasser. T'as raison. Bon bah voilà, c'est un parce mal pour un bien. On était pressé par le temps. C'est un mal pour un bien, on va dire. Oui, c'est vrai, on était allé piller les trucs du toit là en speed et on n'avait pas déclenché l'embuscade. Je la déclenche. Là, je sais pas, top niveau vie, mais. Ah oh, putain, je suis tombé. Échec. Ah bah, moi je suis mouru. Je te vois pas. On va prendre un petit onguent. Voilà. Donc pour ceux qui se poseraient la question, on peut slider sur les points de passage dans le temps que c'est. Ah putain. L'enfoiré qui me pousse là. On va te ressusciter, t'embête pas à revenir. Ah bah. Mais c'est vrai qu'il y a un succès qui consiste à slider 10 km en étant un fantôme. Alors, celui de l'autre côté, je crois que du coup, je sais plus si je l'ai ramassé ou pas. Non. Hop. Bon, bah, je pense qu'on doit être bien là. Ah non, il reste encore plein de trucs. Plein de trucs. Ah bah, écoute, ouais, des graines, des objets. Ici, il y a un objet. Il reste des graines. Un petit truc comme ça. Alors, il y a plein de choses là. Voilà, oui, effectivement, il y a encore plein de trucs à ramasser. Ça vous les affiche aussi quand je lance le... Oui, 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 c'est cool. Ici, il y a rien, donc ça veut dire que c'est des champis toxiques. J'ai trouvé une poubelle. Ah, bah ça doit être ça qui nous manque. Il y a des graines dedans? Ouais, il y a plein de graines dedans. Nickel, c'est tout vide. Et ben, on va pouvoir aller faire un tour, ou rentrer peut-être. Il nous faut un peu de temps pour rentrer quand même. Ah oui, il reste plus que 4 minutes. J'ai trouvé un sac. Oh. Tiens, ouais, c'était pas marqué sur le truc, il doit y avoir une arme dedans. Ah ouais. Ouais, un choueur de chef. Moi j'ai un mat de tente. Est-ce que j'ai des armes qui sont pas vertes encore? Ouais. Oh, moi j'en ai plein des armes qui sont pas vertes. Mais bon, à 4 minutes on aura pas le temps de nettoyer la zone et de revenir à pied, je pense. Du coup, y'a personne qui la ramasse là, qui la pêche? Bah non, mais c'est toi, que pour toi le loot, Chubity. On les voit pas, nous. Y'a une débroussailleuse là, par contre, donc ça ouais, c'est pareil, c'est que pour moi. La débroussailleuse, c'est moi qui l'ai posée parce que c'était un objet un peu pourri, cassé, mais je l'ai jeté pour prendre le mat de tente que j'avais moi. J'ai eu une canne à pêche. Bon, bah si vous êtes prêts, on traverse en face, il y aura les slides après. Allez, go! Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Paul. Bon, bah y'a plus qu'à prendre. Le camion! Un petit camion. Bah, y'a un loot! Il y avait une flèche. Ah. Un tir dans le vent. De quel côté? Par là? Ça me paraît plutôt pas mal. Absolument, si c'est ça. Il y a les caillasses qui vont dans le sens là. Et là, tu te souviens, c'est à gauche. Ah oui, là. Ouais. Oui, bah de toute façon, je... C'est vrai que tu t'es perdu, non? Je suis perdu, là? Non, c'est là que tout à l'heure tu t'es perdu. Ah oui.
je suis bien capable hein, de me perdre encore. Hein. Oui, bah écoute, on se reperdra. C'est pas grave, hein, c'est pas comme si on était réellement paumé sur la map. Coucou les copains! Hey, y'a des cadeaux! Alors. Donne-moi un cadeau! Bon, la bouffe c'est un peu mieux. Niveau construction, on était où? On avait du divertissement, un peu d'eau potable, de la bouffe. Ouais. Il faudrait faire un flipper, mais on n'avait pas les compos. Ouais, puis les ballons pour l'instant ils font le taf. Ouais, 3 ballons pour l'instant ça suffit. On pourrait faire éventuellement c'est un lit superposé pour économiser un peu de composants. Même si je sais Chobiti que tu aimes les lits avec les petits noms dessus. Oui mais tu as raison. Ce n'est pas optimal. Tu es bien soigné au nord. On a des barrières qui sont cassées par contre, ça c'est pas bien. Soigne-moi. Hop. Allez, réparez-moi tout ça les gars. En plus ça coûte du bois, on a ce qu'il faut, on va se faire chier. Ici aussi. Oh ouais, j'ai pris quoi quand même ? J'ai pris apiculteur et chanceux, ok. Bah moi je sais même plus ce que j'ai là, hein, c'est... Ah oui, on peut en prendre deux ? Maintenant oui. On peut en prendre deux, ouais. On a débloqué... Merde, c'est quoi que, comment on sait ce qu'on a pris? Bah je suis allé dans mon inventaire. Ah c'est dans l'inventaire. Quand tu fais ou alors quand tu fais changer de truc. Ah oui. Enfin obtenir un renforcement, il te dit ce que tu as déjà. Moi, si, j'ai chanceux. J'ai chanceux et mur de fer. Mur de fer, c'est le truc qui fait que on prend moins de dégâts. Enfin, les structures du camp prennent moins de dégâts. Il reste plus que 9 secondes. Tic, tac. Prêt à les accueillir avec ma raquette de tennis. Tic, tac. Si des gens ont des graines à mettre dans les baignoires. Hein. Bah, j'ai mis tout ce que j'avais, moi. Voilà, je t'en ai remis. Cool. Il y a des monstres! C'est parti! Ah! Plein! Peut-être dû me soigner hein, en speed aussi. Quand même, hein, la vache. Ah, c'est parce qu'on est en multi aussi. Attends, l'autre il traverse. Ah, y'a un loup qui est passé! Crie pas comme ça! Bon sang. Ah, la vache. Alors, je suis désolé s'il y a un peu d'écho quand Chobiti s'énerve. Hein. Hop! C'est l'inconvénient de vivre avec une démone, hein? Ah bah ouais, écoute, des fois. Elle a des imprécations brutales. Des imprécations? Bon, ça c'est pas la peine de réparer. Est-ce qu'il y en a compris un peu cher? Là ça va. Là ça va. Là on va réparer. C'est cool le mur de fer parce que mine de rien, même là où ils sont un peu excités, c'est absolument pas endommagé quoi. Tu peux piquer des ballons dans la. Dans le coffre. Ah oui, tu peux piquer des ballons dans le coffre. Hein. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a remarqué avec Chobiti, c'est que quand t'es en solo, t'as absolument pas besoin d'avoir de trucs dans ton inventaire. En fait, tout ce qui est dans ton coffre, tu peux l'utiliser même quand t'es loin. Ouais. Par contre, en multi apparemment ça ne fonctionne pas. Faut que t'aies dans ton inventaire les objets quoi. Oui donc faut peut-être que
J'ai un peu de quoi faire des égides au cas où. Du soin. Pourquoi pour faire des égides? Je vais vendre 2-3 objets de combat. C'est pas un truc vert que j'ai? Faut 2 fragments. Ça c'est pas vert? Si c'est vert ça. On va la vendre, on a quoi? Un pied de table, une queue de bière, 62 à 87 ça. 98. J'ai 2 pieds de table. Ouais, on va vendre 2 pieds de table. Ah non, j'ai un pied de table et un pied de chaise, attention, excusez-moi. Et c'était quoi déjà les autres? Le mat de tente, il fait 87, 62, 98. Donc c'est ça, c'est la queue de billard qu'on doit vendre. Hop. Hop là. Ah oui, je vais peut-être aller revendre mes armes pourries, moi. Ouais, comme ça, ça fait de la place. Ouais. Elle bon. Est où déjà? Elle est là, voilà. Pas quelqu'un à qui parler? Tiens, toi. Jit, là. Jit, arrête-toi. Ah, tu me soignes un peu, toi aussi. Alors s'il y en a un qu'il faudrait me faire monter de niveau, c'est lui. Hop. Chanceux. Oui. Ah oui. Chanceux niveau senior, c'est 50% de loot en plus. Hein. Tant dire que c'est la teuf quoi. Bon. Pas lui. Ils vont aller se pioter. Alors, la suite ce serait de retourner vers cette île là, et cette fois pas la mauvaise. Je vais aller replanter quelques graines que j'ai achetées. Ah, pas bête, ouais, c'est vrai qu'on peut les acheter. Niveau construction, eau potable c'est bon, les défenses on s'en fout. Bon, on est pas mal, faudra qu'on monte de niveau à un moment, mais. Eh, chez moi il est toujours bugué le ballon, il saute toujours tout seul. Ah. Oui, moi aussi je le vois sauter. Bah écoutez, je vois, il saute mais tout à l'heure il sautait pas. Il y a eu une interaction et il est redevenu possédé. Ouais, bah ça doit être quand il saute dessus, ça bugouille. Peut-être qu'on vient les interrompre. J'ai un doute là. Non, on peut pas voir la carte quand on est non, on saute comme ça, là, ça se termine là. Ouais, y a pas d'autre chemin par là, c'est ça. C'est un peu dommage qu'on puisse pas ouvrir la carte pendant qu'on slide, pour savoir où faut aller. Ouais, ce serait quand même pratique. Bon, t'as perdu le son? Non, non, je suis juste derrière, pas de panique. C'est tellement fait défoncer qu'il est mort avant que sa jauge de vie baisse, quoi. Ouais. Alors, on fait un petit peu d'égide. Vous êtes prêts? Oui. Go. Non, j'étais pas prête. Ah, pas sauter. Voilà, c'est bon. Je m'y accoule pas. Allez, en avant. Je suis sûr qu'on va avoir des camions. Par contre, il y a l'air d'avoir de la ronce déjà. Hein. Ah merde, excusez-moi. J'ai oublié que j'avais fait demi-tour et que du coup ça allait s'arrêter. C'est ma faute. Non, c'est pas grave. Ah, c'est trop lent ces armes de corps là, demain là. Mais tu veux pas mourir? Voilà, s'il te plaît, merci. Le 22 de niveau d'éther quand même. Ça fait un petit peu mal là. Ah, le divertissement descend un peu. Ouais, j'en ai fait grandir, hein. C'est pas hyper grave. 22, ça va encore, hein. Ça floute, mais. Ouais, toujours ouais. Encore. Ouais, alors on a pas pu s'empêcher de jouer un petit peu dans des parties solo. Ouais, cette semaine. J'imagine. Et c'est vrai qu'effectivement, quand t'arrives sur les zones à 70 d'invasion, où tu vois quasiment plus où tu marches, quoi. C'est la violence. Ça pique un petit peu, dirons-nous.
Ouais. Après, on a vu aussi qu'il y avait des trucs qui permettaient de gérer ça. Oui, bah après, c'est le moment où le feu de synthème, ouais, effectivement, il devient un peu plus nécessaire, quoi. Ouais, des graines. C'est vrai que on a trouvé. À manger. On a trouvé aucun dragor qui permet de soigner en plus. C'est dommage. Enfin, qui a un renforcement qui soigne quoi. Ah, un régène passif. Ouais. Bah, dans mon autre partie, y a une. J'ai une régène et j'ai un vampirisme aussi. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Y'a un plan. Oh, donnez-moi les plans. Bah, au final, la régène passive reste plus intéressante parce qu'elle fonctionne tout le temps en fait. Contrairement au vampiriste, faut que tu tapes des gens. Mais c'est quand même assez fun, ouais. Donc, ici, ouais. Comment on y va là? Disons que si t'as rien du tout, le vampirisme c'est déjà cool quoi. Ouais, ah bon, il suffit de sauter, très bien. Bon, j'ai trouvé la dernière racine. Oh. Proudaf a purifié. Buzz. Ou buzz. Ouais. J'ai ici un balai vert si vous voulez. Merde, je suis tombé. Ouh, oh là là là, un pantalon de jogging. Moi je suis full niveau arme, le signe. Hop là. T'as pris tes armes. Ouais, bah j'imagine que tu veux en avoir une, mais si jamais il y a un balai de paille que je peux, qui a fait 80 DPS, que je peux prendre et laisser tomber s'il faut. Bah là j'ai un porte-manteau à looter, donc je regarde ce que j'ai. J'ai une crosse de hockey qui fait 98 de DPS si tu veux. Ouais, bon bah si personne en a besoin, je le laisse là, c'est pas un souci. Donc je lâche mon chandelier pour pouvoir prendre mon porte-manteau. Alors effectivement, elle s'appelle Wubuz l'île et il y a mais genre rien dessus quoi. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que l'île suivante est tellement proche qu'on limite on va pouvoir l'atteindre en sautant. Ah non, quand même pas. Presque, mais quand même pas. Hop là, petit coup de flotte. J'ai lâché quelques trucs pour pouvoir prendre mon loot. Mais lâcher un loot à gaufre. Ouais, parce que c'était un petit peu mieux ce qu'il y avait. Tu veux le moule à gaufre, tu peux. Non, mais de toute façon, après, il reste longtemps, là. Hein. Ouais. Ouais, si jamais on repasse. Puis les armes vertes durent beaucoup plus longtemps, aussi. Ah, j'avais eu, voilà, je me souviens que j'avais eu ce t-shirt tête de crâne, là. Oh, il est cool. Alors, attends. Si je veux un t-shirt tête de crâne. Si vous commencez à changer le... Ouais, c'était en attendant que tout le monde arrive. Ouais, short, non, c'est pas possible par contre. Du coup, t'as bien un short? Ouais, ouais, j'en ai plein. Hein. J'ai un jaune, un turquoise, un rouge et un bleu marine. Moi, j'ai pas de short. Ça va bien. Moi non plus, j'ai que des pantalons. Moi, j'ai un jogging. Ouais, c'est ça, un pantalon de jogging, ouais. Vous êtes prêts? Non, j'étais pas prête du coup. Oui, c'est bon. Allez, gaufre. Écoute, moi j'ai fait les gâteaux, si tu veux des gaufres, tu feras des gaufres. Gaufre. Il y a tout ce qui se casse la gueule. Hein. L'eau descend, le bouffe descend, le. Bah les la nourriture, ouais, il y a plus de graines donc. Alors ici on a du tissu. Bah après il y a de la marge encore hein, donc. Ah oui, on n'est pas au stress de rentrer là. Autant la dernière fois c'était un peu la merde. Non, j'étais obligé de consommer une égide pour buter la...
La ronce. La ronce, ouais. Il était relou celui-là, Brodaf, tu l'as eu? Ouais, c'est bon. Ouais. Je laisse ça, je vais faire la suivante. Hop. Oh, ça fait réussir à purifier. Ah, ici, il y a le... la caverne de boue. Les champis, ouais. Tiens, bah si t'as pas le succès, je te laisse faire boue. Enfin, remarque, il est peut-être pour tout le monde. Mais les champis, on peut pas les prendre, c'est les champis de boue. Si tu lui parles plein de fois, au bout d'un moment, il disparaît, il te laisse un cadeau et ça te fait un succès. Tu me dis quand il aura disparu, je verrai si ça le fait disparaître pour moi aussi. Sinon, ouais, je montrerai ça aux viewers. Sinon, bah, vous irez voir sur le point de vue de Slan, enfin de Brodaf sur la chaîne de 119 minutes plus précisément. Voilà, succès, il a disparu. Alors attends, est-ce que je le vois toujours? Donner des graines de carottes et un tromblon. Oh bah c'est cool. Mm. Ah ouais, il a disparu. Bon, en gros c'est un... c'est un... quelqu'un comme nous qui s'est perdu dans la zone et puis qui a fini par se transformer en méchant, comme tous ceux qui restent trop longtemps, sauf qu'au lieu de devenir une créature dégueulasse comme ceux qu'on combat, il reste là à pleurer et à faire pousser ses roses. Du coup, y'a personne qui fait le coffre dans les terres là? Bah, y'a personne qui fait le coffre dans les terres. C'est lui qui était juste en face de la sortie. Et bah, déjà, faudrait qu'on sache qu'il y a un coffre dans les terres. Et après, on peut en discuter. Y'a pas un petit plan planqué là-haut là? Non. Que dalle. Bon, y'a rien. Ah, ouais. Il reste juste les camions. Bah écoute, si tu veux, on y va ensemble, Chobiti. Ouais, bah je vais m'occuper de relier les camions, allez-y. Moi j'aime bien les coffres. T'es prêt? Ici, est-ce oui qu'on voit... Il y a le premier camion, il est là, l'autre il est où? Je l'ai loupé quoi. Oh putain, il est hyper mal placé. Okay, c'est bon. Il faut que je me mette là plutôt. Et voilà. Merci. Pas des choses intéressantes. Bon, il y avait un petit peu de loot. Moi, j'essaie de grimper pour aller mettre un point de passage en haut. Forcément, tout à l'heure, j'ai réussi du premier coup, mais maintenant que je veux vraiment y aller, ça ne passe plus. Ce serait pas drôle sinon. Ouais, ah oui, c'était là qu'il y avait le plan. T'avais un plan là, non? Non, je voulais savoir si je pensais qu'il y en avait un, mais en fait, il n'y en avait pas. Et du coup, je suis quand même monté. Et maintenant, je n'arrive plus à monter. C'est pas grave. On peut voir si on est loin de la nuit ou pas. Ouais, le petit truc sur le côté là, tu sais, à droite, en dessous la bouffe, qui avec là, c'est une bulle jaune avec un rond qui tourne là. Oui. Bah, c'est les périodes de la journée en fait. Ah, ok. Donc là, j'imagine que ça doit être l'après-midi. Et après, ça devient la nuit. Ok, donc ça c'est relié. Chobiti, est-ce que tu veux qu'on aille explorer l'île d'à côté? Oui, on peut. Qui relie ses camions. C'est parti. Dès que t'es prêt, c'est loin en même temps. Hein. Faut que je retraverse toute l'île d'à côté, quoi. Quel enfer. Chobiti. La rigueur, ouais, non, même s'il y a des trucs. Un gros monstre. Il y a un gros, ouais. Aïe. Un nouveau ou le gros standard gros? Non, un tracker standard. Ah, d'accord. Ouais, vous avez vu hein, comment il me laisse me débrouiller, quoi. Bah disons que pour les viewers, ce serait pas top si je passais 20 minutes à côté de toi en train de te regarder mais relier des camions. C'est sûr. Autant mes viewers aiment me voir relier des camions. Ouais, des graines, des graines. Viewers. Mettez un commentaire si vous aimez me voir relier des camions. Mettez un commentaire aussi si vous aimez pas le voir relier des camions. Ouais, c'est vrai qu'après je pourrais le faire en off ou un truc du genre aussi, hein, peut-être. Ce serait peut-être quelque chose d'envisageable, enfin que le monde devrait pas trop avancer si je fais juste ça. Merde, putain, le misclic. J'arrive pas à sauter. Allez, prends l'élan. Moi non plus, j'arrive pas à sauter. Ah, t'es sérieux là, t'es trop loin.
temps, j'en ai pas assez des points de passage de toute façon. Donc, Ah mais elle veut pas sauter ma madame. Vu comme c'est loin qu'il faut aller, à mon avis c'est mort. Hein. Ouais, c'est tout là-bas le plus proche. Ouais, il en faudra un de plus. Et pour en faire un de plus, il me faut du Lumiroc et du Lumiroc pour en faire un peu. Oh, une embuscade! Arrive, hein. Dès que je t'ai trouvé. Okay. Profiter pour faire. Tiens. J'ai réussi l'embuscade sans prendre de dégâts! Bien joué. Ce que je vous propose, c'est qu'on en profite pour arrêter l'épisode là, qui est suffisamment long. Oui. Vous êtes pas en combat ou dans le bordel, Brodav, c'est bon pour toi. Parce que du coup, je viens de finir l'embuscade. Du coup, on s'arrête là pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, mettre un petit commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller jeter un œil au point de vue de Brodav sur la chaîne de Slan. Et n'oubliez pas que cet épisode sort en avant-première sur PeerTube chez moi et que donc c'est un petit peu décalé. Mais ça n'a rien de très très grave. Vous dites au revoir. Bye. Et merci à toutes et à tous.